Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est une fleur lexicale, puisque vous allez devoir en faire une. Une fleur lexicale est une manière d'analyser un mot, qui constitue le noyau de la fleur. Pour la fleur lexicale que vous allez créer, le noyau de la fleur sera l'un des 7 mots suivants, au choix, amour, passion, intimité, séparation, rencontre, attirance, complicité. Chaque pétale correspond à un aspect de ce mot, une manière de l'analyser. Je vais vous les présenter. Créez dès maintenant une carte mentale, soit sur ordinateur, soit à la main, ou une fleur, avec un noyau et 6 branches. Pour commencer, vous allez donner la ou les définitions de ce mot noyau. Vous allez ensuite étudier l'étymologie de ce mot, c'est-à-dire son histoire. Puis, vous donnerez les mots de la même famille, c'est-à-dire les mots qui ont le même radical que le mot que vous allez analyser. Vous donnerez également les synonymes du mot choisi, c'est-à-dire les mots qui ont le même sens, mais aussi les antonymes, soit les mots qui ont un sens contraire, opposé. Ensuite, vous ferez la liste de tous les mots qui appartiennent au même champ lexical. Mettez maintenant sur chaque branche de votre carte mentale ou dans chaque pétale de votre fleur lexicale, les 6 thématiques dont je viens de vous parler. Je vous dis donc à vos méninges maintenant !